Précédemment, dans Un Date à la maison. C'est bon, je devais partir la semaine prochaine. Là, je vais partir là, en fait. C'est bon, vous m'avez saoulé. Non, Sbert. On vient, c'est trop con. Oh, Sbert, tu peux pas partir comme ça. Pourquoi? Parce que je t'aime. Depuis le début. Mais moi aussi, Mathieu. J'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Bon bah, tant pis. Voilà, je suis arrivé dans mon nouvel appartement. Bon, c'est pas du grand luxe, mais au moins j'ai ramené mon coussin Star Wars. Surprise! Mais pourquoi vous êtes venu à Toulouse? Mais en fait, c'est très simple. Comme nous sommes en démocratie, nous avons décidé, à l'unanimité comme nous sommes en démocratie, que comme tu refusais, enfin visiblement tu refusais de venir à nous, eh bien nous, comme nous t'aimons, nous venons à toi, présentement ici. Ouais, mais comment vous avez eu ma localisation, mon appartement, mon adresse? Non pas que je voulais pas vous la donner, hein. Bah, grâce à la localisation Snapchat. Ah ouais, super de vous revoir les copains, je suis vraiment trop heureux. Mathieu, tu peux te parler deux secondes s'il te plaît? Ouais, qu'est-ce que t'as trouvé une lunette? Non, mais la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était le moment où tu m'as avoué quelque chose qui était fort en toi et je voulais savoir si tu pensais ouais, toujours. Ouais, j'ai... non, ouais. On se fait, viens voir avec nous. 2 minutes s'il te plaît, 2 minutes. Bah en fait, enfin j'étais triste, tu vois, c'est tout. Ah, alcool. Ah, hey, alcool. Une fois n'est pas coutume. Ou non. Faut que je vous dise quelque chose. J'ai trouvé quelqu'un. Mais non. Genre, toi t'as trouvé quelqu'un. C'est incroyable ça, Sandra. Quelle inopinée nouvelle. Parle-nous donc de ce bel effet. Non, pas maintenant, pas maintenant. Super. Bah, tu vas où, Hansbert? Tu t'en vas? En tout cas, c'était super sympa, Hansbert, nous avons invité chez toi. Disons que vous êtes plus invité qu'autre chose. Oh, ça va, c'est une formule de politesse que tu peux être rabat-joie. Mathieu! Celui-là, je veux savoir avec qui elle fréquente. Très bien, chef, je te mets autre chose dans ton kebab. Tu m'as entendu? Bah, en même temps, tu parles fort. En tout cas, alors, j'ai quand même l'impression qu'elle se rend compte qu'on mijote quelque chose. Bon, ciao les bolos. Ok, je la vois, elle s'approche, hein. Elle va voir un mec, genre un... Raphaël! Je suis à côté de toi. C'est pas la peine de me décrire. Ah, mais, putain, la silhouette, ça me dit un truc. Hein. Le prénom d'ailleurs, Raphaël. Ah, elle est divorce. Ouais. Ah, mais ça ne dit toujours pas qui c'est son mec. Bah, c'est vrai que maintenant, c'est plus du tout transparent. On se posant pas la question. Ah, ouais. Vous êtes enfin arrivé. Bah, ouais, on a vu Sandra avec Raph et genre, ils étaient. Ah, avec Raph? Ah, bah c'était plus long que d'habitude, putain. Mais du coup, avec qui Sandra Ken? Vous êtes con? Ou vous faites exprès d'y venir, ou vous en faites exprès? Elle est peut-être devenue dileuse, hein. Sandra. Bon bah, tant pis.